Abissam Hospital et ici sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, actuellement, le problème. Allez, salut, voilà. Donc, on va continuer et comme vous le voyez, nous sommes à la deuxième partie de notre application, pour pouvoir postuler à la bourse de Russie. Donc, comme vous le voyez, nous sommes ici à l'application. Voilà, nous venons juste de finir en ce qui concerne le profil. Nous sommes maintenant à l'application. Maintenant, pour ceux qui viennent juste de découvrir ça, cette deuxième partie, vous pouvez regarder en description. Voilà, je vais mettre la première partie là-bas. Vous pouvez passer par là-bas pour arriver ici. Ok, donc, comme je vous le disais, vous le voyez, nous avons fini. Voilà, et nous passons à l'application. Et regardez bien, on dit l'application deadline in your country from 1120 to 1120. Ça veut dire que la fin de l'application pour le site, c'est le 1er 6e mois 2020. Voilà, donc c'est le moment de postuler. Vous postulez et puis jusqu'au 1er, tout sera fermé. Voilà. Ok, donc je vous remercie pour ceux qui m'écrivent en PV et tout ça. Envoyez vos questions. Mais d'abord, écrivez d'abord la question en commentaire. Je vais répondre aussi rapidement que possible. Voilà. Et pour ceux qui m'encouragent, je vous remercie. Et surtout, abonnez-vous, partagez pour que à chaque moment que vous devez regarder la vidéo, mettez au moins un like pour que ça puisse au moins me réconforter un peu. Ok, donc, application. Mode of study, ils veulent que vous signifiez si vous venez à un temps plein ou à un temps partiel. Mais dans plusieurs cas, pour les bourses, c'est toujours en temps plein. Donc voilà. Donc c'est en full-time education. Donc c'est ça que vous prenez pour pouvoir commencer. Donc en full-time education, toutes les bourses qui sont ici sont en full-time. Ça veut dire que vous allez étudier de façon constante et ce n'est pas en temps partiel. Voilà, c'est quand vous venez de vos propres moyens que vous pouvez étudier en temps partiel. Ok, donc pour le level education that you want to obtain in Russia. Le level education, ce que tu veux avoir ici en Russie, comme moi on a commencé à remplir sur la base d'une personne qui a le bac et qui vient pour la licence. Donc moi je viens ici pour la licence. Voilà, parce que ce que vous ne devez pas oublier, c'est quoi? C'est que les bourses qu'on attribue aux étudiants, les bourses sont par cycle. Cycle, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Voilà, soit vous venez pour la licence, soit vous venez pour le master, soit vous venez pour faire un doctorat. Voilà, donc, vous ne pouvez pas. Et c'est que, bon, souvent, si vous voulez avoir, genre, vous voulez venir faire le master ici, et que vous avez le baccalauréat, genre, vous voulez venir faire la licence et aussi faire le master, mais ne mettez pas ici master degré. Non, ne mettez pas master degré parce que vous avez le baccalauréat. Vous venez pour le premier cycle. Le premier cycle ici, c'est le bachelor degré. Vous comprenez? Voilà. Et quand le premier cycle va finir pour faire un master degré, vous devez encore postuler pour qu'on puisse vous attribuer la bourse pour le master degré. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est un peu ça. Ne mettez pas directement que vous voulez avoir le master degré ici alors que vous avez le baccalauréat au pays pour pouvoir remplir. Non, donc je viens, c'est pour avoir le bachelor degré. Voilà, le bachelor degré. Et comme je vous avais dit, j'avais déjà commencé avec mathématiques. Pour le educational program speciality, je vais prendre mathématiques. Voilà, mathématiques. Il y a statistiques, il veut faire, mais mathématiques and computer science. Voilà, donc on va prendre ça pour pouvoir avancer. Ok. Maintenant qu'on a ça, mathématiques and computer science, ici on dit list of educational organizations. Donc ça, ils disent quoi? Ils disent indicate university by priority. Where in the first place in the university where you would like to study the most. And insist, placed is the university where you would like to study the least. Okay, the order of the university will be taken into account when enrolling in the university
allow it to choose no more than two universities in Moscow, no more than two universities in St. Petersburg, and no more than two universities in each federal district. Donc ici, on nous dit que il y a là six places, six universités qu'on doit choisir. Mais les six universités, vous ne devez pas choisir plus de deux universités dans une ville. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez par exemple, vous voulez étudier vraiment à Moscou, vous avez le choix entre deux universités seulement. Vous ne pouvez pas choisir plus de deux universités. Dans une même ville. Donc maximum deux universités. Voilà, donc nous allons choisir, comme moi je veux faire les mathématiques, je vais choisir les universités, moi je vais choisir les universités qui sont un peu où la vie est un peu moins coûteuse. Donc je vais prendre par exemple Saratov. Pour ceux qui viennent de connaître le site, j'ai déjà fait une vidéo où je montrais les villes qui sont un peu moins coûteuses. Donc je vais prendre d'abord Saratov, la première ville. La deuxième ville, je vais prendre par exemple Moscou. La troisième ville, je vais prendre par exemple Dagestan, voilà. Dagestan ici aussi, là-bas aussi c'est un peu moins cher. Les approvisionnements sont pas trop élevés. Et en quatrième position, je vais prendre Tuman. Ok. Et en cinquième, je vais prendre Belgorod. Belgorod, je peux mettre Belgorod. Vous voyez, Belgorod ne s'affiche pas. Donc, si Belgorod ne s'affiche pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, ma filière, ma branche de mathématiques, la ville de Belgorod, les universités qui sont à Belgorod n'acceptent pas de bourse en ce qui concerne ma branche. Voilà. Sinon, si vous voulez faire par exemple de la mécanique, peut-être de la mécanique ou bien l'architecture, voilà, je connais la ville de Belgorod. Là-bas, il y a plusieurs universités d'architecture. Donc là-bas, vous pouvez avoir une université d'architecture. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc ici, Belgorod n'existe pas pour moi en mathématiques. Donc je vais choisir peut-être ici Kazan. Voilà. Et ici, je vais mettre Samara. Samara, voilà. Samara aussi n'accepte pas l'option mathématique comme une bourse chez eux. Voilà. Quand ils n'acceptent pas l'option mathématique comme une bourse, ça veut dire qu'ils acceptent en tant que quoi? En tant que contractuel. Voilà, vous pouvez faire les mathématiques à Belgorod et à Samara, mais ça sera sous forme contractuelle. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je vais changer. Je vais mettre Novo Sibérie. Bon, Sibérie, ok. Donc, il a fini de choisir mes universités. Maintenant, ici, ce qui est coché en bleu, I want to study at the foundation course. Ici, c'est pour la langue russe. Bon, la langue, voilà, c'est pour apprendre la langue. Si vous voyez que la langue russe est en état gris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné que c'est une bourse, la langue qui est prioritaire, c'est la langue russe que vous allez étudier. Donc, tout pour votre parcours, c'est la langue russe que vous allez apprendre. C'est la langue russe que vous allez utiliser ici pour pouvoir travailler. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, pour la langue russe, vous ne pouvez pas mettre que vous ne faites pas la langue russe. Donc, c'est comme si vous ne parlez pas la langue russe. Et c'est pour ici, si vous mettez beginner, ça veut dire que vous avez déjà étudié la langue russe. Si vous mettez immédiate, intermédiaire, ça veut dire que vous connaissez un peu la langue russe et tout ça. Native, ça veut dire que vous connaissez bien la langue russe. Voilà, donc comme vous êtes chez vous, dans votre pays, vous ne pouvez pas mettre tout ça. Vous mettez seulement que vous ne parlez pas la langue russe. Voilà, c'est tout. Donc, don't speak the langue russe. Maintenant, ici, the language. The language ici, ça vous permet de vous... Parce que quand vous allez arriver, vous allez faire... La langue russe. La langue russe, on vous met en termes de groupes. 10 personnes par groupe. Vous comprenez? 10 personnes par groupe. Donc, les 10 personnes par groupe, ils veulent voir un peu quels sont vos horizons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, il y aura les anglophones et les francophones. Voilà. Donc, et plusieurs types. Voilà, voici les langues qui sont là. Donc, si vous étudiez là-bas en français, vous allez mettre. Français et vous allez mettre que vous êtes voilà. Si vous étudiez l'anglais aussi, vous mettez l'anglais. Donc ici français dans le nom français doit se trouver quelque part là. Donc voici français, soit français ou anglais peut-être. Voilà, donc comme moi c'est la Côte d'Ivoire, je mets français et je leur explique seulement que je suis un natif en français. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça.
Maintenant, on finit de faire ça, on vient ici pour l'Olympiade, Achievement. Ici, pour l'Olympiade, si vous avez eu vous avez été lauréat, peut-être dans une. Vous voyez tout ce qui est là, vous vérifiez bien tout ce qui est là. Si vous avez déjà été lauréat dans une branche ici, dans tout ce qui est là, vous choisissez et. Mais si vous n'avez pas eu de tout ça, voilà, mais ça concerne vraiment ceux qui sont ici en Russie. Voilà, mais si vous n'avez pas encore eu tout ça, vous pouvez mettre autre. Si vous avez eu chez vous, au pays, dans votre université, vous pouvez mettre autre. Vous mettez autre ici, vous prenez autre et vous signifiez le type de. Vous signifiez le type de quoi? De lauréat, de l'Olympiade que vous avez eu. Et vous mettez ici aussi l'année. Vous comprenez? Voilà. Mais si vous n'avez pas ça et tout ça, c'est pas la peine de compléter, de vous fatiguer avec tout ça. Vous laissez et puis voilà. Vous passez à autre chose. Voilà. Donc, en ce qui concerne ici aussi, on a quoi? On a le sport. Le sport, si vous faites le sport là-bas au pays, vous pouvez mettre ici football. Vous choisissez football et vous mettez aussi peut-être l'équipe. Et puis vous mettez aussi l'année que vous avez commencé à jouer au football et tout ça. Sinon, ce que je vous dis ici, c'est pas en ce qui concerne ceux qui sont hors du pays, tout cet espace, c'est pas vraiment nécessaire. Donc, c'est pas la peine de vous fatiguer. Maintenant, ici, on nous signifie que if you don't pass a competitive selection for the state scholarship, I may consider proposal of getting an educational with paying fee. Voilà, donc ici, ils disent que tu signes que si tu n'as pas eu, tu signes que si tu n'as pas eu, par exemple, si tu n'as pas été admis en tant que boursier, néanmoins, tu proposes qu'il te propose, tu proposes qu'il t'envoie dans une université où tu peux payer des frais de scolarité. Voilà, donc en ce qui me concerne, si j'étais vous, je ne vais pas cocher parce que quand ils envoient dans les universités que vous-même que vous voulez, genre vous venez sous forme contractuelle, les universités où ils vous envoient peuvent être un peu plus chères, voilà, alors que vous vous attendiez pas à ça. Mais néanmoins, pour ceux qui veulent vraiment venir et tout ça, si vous voulez vraiment venir, vous pouvez cocher, vous mettez ça en bleu, voilà, comme ça. Et là, lorsque vous ne passez pas le test d'examen, genre vous ne passez pas le test de la bourse, vous n'avez pas été sélectionné, il vous envoie quand même un message pour vous dire que bon, vous n'avez pas été sélectionné, mais néanmoins, vous pouvez remplir, si vous voulez vraiment venir payer, vous voulez vraiment venir suivre des cours ici, vous allez venir sous forme contractuelle. Voilà, si vous voulez venir sous forme contractuelle, il n'y a pas de problème, ils vous acceptent, vous venez tranquillement. Vous faites vos cours, mais c'est vous qui payez toutes vos années. Votre université, votre dortoir et tout ça, c'est vous-même qui vous achetez de ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous êtes d'accord, je mets ça en bleu et puis on peut avancer. Voilà. Donc, ici, on avance. Maintenant, ici. Ici, ça concerne ceux qui sont hors du pays et puis ceux qui sont ici en Russie. Maintenant. Ici, si vous remarquez bien, on dit scan copy of the original document. Voilà, pour educational document. Donc, c'est pour votre diplôme. Si vous venez pour la licence. Si vous venez pour la licence, ici, vous devez mettre le document de baccalauréat. Si vous venez pour le master, vous devez mettre le document de licence. Donc, vous mettez les deux documents avec le document qui a été légalisé et certifié. Voilà, donc c'est un peu ça. Légalisé et certifié. Mais dans plusieurs temps, ce document légalisé et certifié, c'est pour ceux qui sont ici en Russie. Donc vous venez ici dans ce rectangle-là, vous cliquez, ça vous envoie dans votre ordinateur, vous sélectionnez le dossier. Le dossier doit être seulement en image ou en PDF. Donc je pars dans mon ordinateur, dans mes dossiers. Comme ils ont demandé le diplôme du baccalauréat et le diplôme légalisé et tout ça. Donc, je prends le diplôme du baccalauréat qui est là. Voilà. Et quoi encore? Et peut-être les traductions.
Mais d'abord, je prends le diplôme de baccalauréat et je vois ensuite ce qu'ils demandent. Donc, ça sort directement là. Ensuite, le diplôme de baccalauréat. Et on dit quoi? On dit le scan de la copie de la traduction. Vous voyez, c'est la traduction. La traduction, si vous êtes vraiment, vous voulez vraiment mettre la chance de votre côté, si vous voulez vraiment mettre la chance de votre côté, étant au pays aussi, vous pouvez aller à l'ambassade, vous renseigner sur la traduction, vous traduisez et vous venez mettre. Mais si vous n'avez pas les traductions, vous pouvez mettre seulement que ce document qui est là, parce que le scan copie de la traduction, c'est pour en général ceux qui sont déjà ici. Voilà. Par exemple, moi je suis déjà ici, j'avais déjà traduit mes dossiers, donc je vérifie. Voici la traduction, voilà, du baccalauréat 1 et puis deuxième traduction. Donc je peux prendre ça, je prends la traduction et je upload, je mets ça là. Maintenant, en ce qui concerne le passeport, voilà. Le passeport, on doit mettre le scan de l'original document et le scan aussi de la traduction. Voilà, donc comme je vous le disais, ici, je viens pour le passeport. Je vais encore dans ici, où est le passeport. Voici le passeport original qui est là. Voilà, donc je prends ça. Et voici la traduction, première partie, deuxième partie. Donc je prends mon passeport original, je sélectionne ça, contrôle, et puis je sélectionne deuxième, et puis voici passeport. Donc les trois, je les envoie ici. Voilà, donc voici les trois éléments qui sont là. Ok, maintenant une fois que j'ai fini, je viens, on me demande document with qualifying rank result. Voilà, donc scan copy of the original document. Donc ici, par exemple, ça peut être la coulante qui soutient le diplôme. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas de coulante, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez prendre les éléments, genre de relevé des notes, et vous scannez, vous les mettez là. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous scannez les éléments de relevé des notes, vous mettez là. Mais moi, j'ai ma coulante, donc la coulante, c'est quoi? Diplôme, tout ça, application. Ici, il y a le diplôme. En Côte d'Ivoire, il y a le diplôme et il y a la coulante. Vous comprenez? Donc, moi, la coulante, pour les Ivoiriens, la coulante, vous mettez seulement l'élément de coulante là-bas. Maintenant, pour les autres pays, si vous n'avez pas de coulante, vous pouvez remettre. Si vous n'avez pas de coulante et que vos notes sont directement gravées sur votre diplôme, alors vous mettez encore le diplôme original ici. Vous comprenez? Voilà, vous pouvez mettre encore le diplôme original là. Parce que les notes sont sur le diplôme. Ok. Maintenant, quel est le document qui conteste que vous êtes vraiment de ressortissant de votre pays? Donc, ils veulent parler juste de la carte d'identité ou du certificat ou d'un certificat de résidence ou ça. Il y a beaucoup. Donc, je peux prendre la carte d'identité. Je vais voir si j'ai une carte d'identité ici. Je vais prendre ça. Donc ici, si je viens bien, la carte d'identité c'est où? C'est ça. Voilà, application save. Et donc c'est ça. Voici ma carte d'identité qui est là. Donc je prends la carte d'identité et je mets là. Ok. Maintenant, on nous demande le document qui confirme que vous connaissez vraiment la langue russe. Ça sera forcément pourquoi? Pour ceux qui sont déjà ici en Russie. Voilà, ceux qui sont ici en Russie, ils ont déjà le document qui confirme qu'ils ont fini la langue russe. Et tout ça, donc ce document-là, vous prenez l'original et vous mettez ça là. Donc moi je vérifie si j'ai déjà scanné ça, j'avais déjà scanné, je crois. Donc diplôme de langue russe, voilà. Voici le diplôme de langue russe, voici le diplôme de langue russe qui est là. Donc je prends ça et je mets là. Une fois que j'ai fini, je prends le certificat de test de VIH. Tout ça vous scannez. Vous mettez ça sur votre ordinateur et vous attendez, vous mettez sur le site. Voilà, donc certificat pour l'absence du VIH, le certificat aussi, je vérifie. Le certificat du VIH. Donc pour ceux qui sont ici en Russie, ils sont obligés d'aller faire encore un certificat du VIH pour pouvoir postuler. Mais si vous êtes déjà là-bas, voici votre test du VIH. Pour ceux qui sont ici, voici ça, VIH. Donc ici, je prends mon test de VIH, je mets là, ça sort. Ok. Et certificat médical.
voilà, certificat médical aussi. Si vous avez un certificat médical chez vous, vous mettez, voilà. Donc ici, chez nous, c'est le médecin qui Spravka, je crois, pour ceux qui sont ici en Russie. Donc je crois que ça y est déjà ici, voilà, voyez ça, médecin qui Spravka. Médecin qui Spravka 2, donc je prends les deux, je mets là-bas, voilà. Ok, maintenant, ici, on dit quoi? On dit research paper in Russian or English language for PhD assistantship, internship, residency training. Ici, c'est pour, ça ne concerne pas vraiment, c'est pour ceux qui sont, qui font le PhD. Ça veut dire que s'ils ont une feuille de route qui est quoi? Qui est une feuille qui renferme le thème de soutenance et tout ça, qu'ils ont eu un master et tout ça pour les recherches, ils peuvent mettre ça ici. Vous comprenez? Voilà. Mais si vous, vous n'avez pas, vous ne mettez pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici, autre document, je peux vous dire, autre document, c'est quoi? C'est si, par exemple, vous avez eu des Olympiades et tout ça, les documents, vous pouvez les mettre ici. Les Olympiades, ou si vous avez eu, si vous avez, vous avez un document qui prouve que vous êtes quoi, originaire de tel pays, ou si vous avez deux pays, si vous avez tout ça, vous mettez tous les documents que vous avez qui peuvent justifier quelque chose sur vous, vous les mettez ici. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, je vais faire le next. Le next, ça cherche, ça arrive ici. Ok. Donc, on est sur la deuxième partie. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Vous devez faire quoi? Vous devez télécharger l'application. Tout ce que vous avez rempli, vous téléchargez et vous signez. Vous téléchargez, vous signez et vous remettez ça sur cette place. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez. Donc, on va télécharger ce qu'on a fait. Donc, on va voir si ça va télécharger, si ça ne télécharge pas, s'il y a des problèmes. Ici, on dit quoi? On dit remplir les contacts relatives à légal représentatif. Ok, donc on va aller voir ce qu'il demande. On va remplir rapidement. On va voir si on n'a pas encore fini. Ici, on vient dans le profil. Je crois que c'est ici. Contact relatif au légal représentatif. C'est quoi? On n'a pas encore rempli. On n'a pas encore rempli notre contact. Ok. Ici, celui, votre degré of relationship. Celui qui, en cas de besoin, celui qu'on peut contacter. Je vais mettre comme ça. Mon frère, peut-être. Voilà. Vous mettez celui qui vous soutient. Et son nom de famille, je mets Smos. Et ici, je mets Greg, peut-être. Voilà. Et ici, c'est pas aussi important. Son numéro de téléphone, plus 125. Ok. Et puis, son mail. Je crois pas que ça soit important, mais je vais mettre un mail quand même. Voilà, donc vous mettez son mail ici. Voilà, vous mettez son mail là. Et puis maintenant, on va faire un save. Voilà, on a mis save. Maintenant, on va aller voir si on peut faire quoi. On peut télécharger l'application. Donc, on va aller voir si on peut télécharger l'application. Donc, c'est pas la première partie. C'est quoi sur la troisième partie. Donc, je reviens là. J'appuie sur Next. Ça va sur la deuxième fiche. La deuxième fiche, j'appuie encore sur Next. Next encore, ça va sur la troisième fiche. Ok, et de là, je vais voir si ça va passer. On dit quoi? On dit fill passport information. Je crois qu'on avait déjà fait information sur le passeport. Voyons voir ici passport information. Ah ok, donc c'est pas encore fait. Donc on avait déjà fait ça au premier dans le profil. Mais peut-être que ça n'a pas été sauvegardé, donc on va faire rapidement et puis on va sauvegarder. Ok, date de création, date à laquelle vous avez reçu. Vous avez déjà fait ça, c'est dans le premier, c'est dans la première version qu'on devait faire ça. Vous avez déjà fait ça, je suis sûr. Seulement que moi je n'ai pas enregistré avant de faire la deuxième vidéo. Donc je vais prendre des choses rapidement, on va avancer.
Voilà, et la date de validité, c'est quand est-ce que ça sera plus valide? C'est en 2022, ok. Donc maintenant je vais sauvegarder, voilà, et attendez que je vérifie en même temps si tout est bon. Ok, maintenant je passe sur l'application, excusez-moi pour le dérangement, je vais sur la partie 3, donc next, la partie 3, next encore, et puis next encore, ah non c'est bon, c'est déjà bon, donc ici, download application, donc arrivé sur la partie 3, on va download. Voilà, donc voici ça, c'est là, ça doit s'afficher maintenant dans les normes. Voilà, ça vient. Donc une fois que vous téléchargez l'application, voilà, c'est la personne qui est là avec tout, avec mes coordonnées dessus et tout ça. Donc une fois que vous voyez ça comme ça, vous allez au cyber, vous faites tirer au cyber, voilà, vous mettez sur une clé USB, vous faites tirer au cyber. Et vous signez ici. Attends, je vous montre où vous signez. Vous voyez, il y a pas de piste. Il y a signature ici. Vous signez là. Ici, c'est pour ceux qui vont contrôler votre voiture. Donc, vous signez là. Vous mettez la date. Et je crois que ça va. Voilà. Vous signez là et vous mettez la date. Ici, ce qui est juste en bas, laissez tout ça. C'est eux-mêmes qui vont essayer de voir comment est-ce que vous devez gérer tout ça. Donc c'est un peu ça. Voilà, vous signez là et vous laissez ce qui est là. Donc vous tirez au cyber, vous signez et puis vous allez encore faire quoi? Télécharger pour mettre sur l'application. Vous revenez ici, c'est la place qui est là. La place qui est là, c'est la place de ce que vous allez signer. Vous scannez encore et vous mettez ça ici. Voilà, donc je considère qu'on a déjà fini de signer et de scanner. On vient, on remet encore sur notre PC et on vient encore dans notre ordinateur pour pouvoir prendre et remettre. Conseil là, voilà. Donc j'ai mis formulaire de boost, c'est ce qui est là. Voilà, je prends et je remets. Je prends et je remets. Donc je clique dessus, ça vient s'installer là, formulaire de boost. Excusez-moi, formulaire de boost. Donc n'oubliez pas, vous téléchargez, vous signez, vous mettez la date et vous remettez ça là. Voilà, donc c'est un peu ça. Une fois que vous finissez, qu'est-ce que vous faites? Une fois que vous finissez, vous vérifiez, voilà, tout est bon. Donc on peut maintenant envoyer. Voilà, donc quand vous envoyez, do you confirm the correctness of the date sent? Yes. Comprenez? Donc, une fois que vous envoyez, vous comprenez? Pour ceux qui n'ont pas tous les documents et qui veulent remplir un peu et aller après, faire quoi? Après, photocopier ou bien faire des documents pour pouvoir revenir et remplir, vous n'envoyez pas d'abord. Voilà, quand vous n'envoyez pas, ils enregistrent ça sur un brouillon. Et quand vous venez, vous pouvez réouvrir et puis mettre. Mais si vous êtes sûr que vous avez fini de tout faire, tout, vous pouvez envoyer. Et quand vous envoyez comme ça, ça va directement dans votre boîte email. Il vous envoie un message pour vous dire, ok, vous avez fini et que maintenant, vous attendez à ce que tout soit prêt. Si vous êtes retenu, on va vous envoyer un message et tout ça. Vous comprenez? Voilà. Si vous n'êtes pas retenu aussi, peut-être qu'ils vont vous envoyer un message ou pas. Voilà, donc ça va dépendre. Voilà, donc je vous dis que c'est fini. Voilà, c'est fini. Une fois que vous faites ça, c'est fini. Et merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui me suivent. Surtout, n'oubliez pas, likez au moins. Quand vous suivez, vous likez au moins. Et vous donnez un commentaire. Et si vous avez des commentaires, vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser en commentaire. Je vais vous répondre dans les 2 minutes qui suivent. Alors, merci. Merci beaucoup et à bientôt.
Et ici sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, actuellement, le problème.